Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouveau tutoriel la famille. Dans ce nouveau tutoriel la famille, nous allons faire une montante. Donc c'est-à-dire nous allons commencer de 5000 francs pour arriver à 50000 francs la famille. Là ici c'est le challenge qu'on va se lancer la famille dans ce tutoriel. Tout va se passer ici en direct. Comme vous pouvez voir ici actuellement nous sommes à 17h. Il est 17h49 minutes. Il est question qu'avant 23h que nous ayons atteint un montant de 50000 francs juste à partir d'un capital le départ de 5000 francs. Donc actuellement si vous pouvez voir mon compte est plus de 2 889 000. C'est tout simplement extraordinaire parce que je vous dis tout ici réside dès le départ la famille. Là actuellement si je vais vous montrer comment faire une montante et nous allons faire une montante en direct comme ça dorénavant je ferai des montantes dans le groupe Telegram dont le lien est dans la description de la vidéo et félicitations à tous ceux là qui sont déjà dans le groupe Telegram parce que désormais dans ce groupe Telegram on va faire des montantes de une journée de 5000 francs pour atteindre 50000 francs. Si ce genre de montante va t'intéresser surtout n'hésite pas à liker la vidéo pour que je sache que c'est un indice déjà qui va permettre à ce que je vous fasse des montantes à partir de 5000 francs pour atteindre 50000 francs en une journée. C'est de ça qu'il y a question et c'est de ça qui va nous permettre d'atteindre cette indépendance financière à travers les paris sportifs. Eh bien la famille, si vous constatez actuellement, si aujourd'hui je suis dans mon compte Betwinner et je vous dis que c'est pareil avec OneSbet, sauf que là je vous dis que les bonus de Betwinner sont extraordinaires. Donc si tu n'as pas encore un compte professionnel Betwinner, il faut créer ton compte avec le code WinCadeau. WinCadeau est un code délivré toujours officiellement par le Bookmaker, mais ce code promo est valable uniquement sur Betwinner. Donc je vous exhorte de créer votre compte Betwinner dès maintenant et de disposer des meilleures fonctionnalités de paris sportifs et des cotes extraordinaires. Donc je passe directement au but de ce tutoriel. Pour cela j'ai dit qu'on va commencer avec un départ de 5000 francs. Donc dites-vous que vous avez un montant de 5000 francs dans votre compte. Je vais tout simplement actuellement aller chercher un match de foot et sachez que votre montant doit tenir compte juste d'une seule mi-temps. On peut voir ce match de foot qui est à 45e minute et on peut dire que ça la première mi-temps est déjà passée. Nous allons aller dans celui-ci qui est à 2-0, ce match de foot à 2-0 à la 89e minute. On peut dire que c'est totalement fini, mais actuellement ce qu'on peut voir là, on nous montre la totale moins de 2,5 buts actuellement si. Donc pour directement manger cet argent, je vais prendre total moins de observer tout simplement ce que je fais. Si je mets 5000 francs, ça va me donner combien? Ça me donne 950 la famille. Ok, comme ça me donne 950, je vais placer la totalité de mes 5000 francs sur ça parce que c'est un pari ici qui est sur je peux vous dire que c'est un pari où la cote c'est 1,22 la famille. Donc c'est moi j'ai pris ici le cas où vous avez 5000 francs. J'aurais pu mettre 50000 ou j'aurais pu mettre même 100000 parce que ce pari actuellement est très sûr. Et vous avez constaté que OneSbet a tendance à refuser certains paris qui sont sûrs. Ok, vous voyez là, on a placé 5000 francs et le temps additionnel est de 5 minutes. On va se faire 950 gratuitement parce que je vous dis comment que c'est sûr. Parce que là, ils sont à la 90e minute et quand je regarde déjà les stats ici, là, je constate déjà qu'il a été difficile de mettre des buts parce que dans une rencontre, ils ont juste 3 tirs cadrés et 2 tirs cadrés. Et donc ils n'ont pas eu la chance de mettre autant de tirs cadrés, donc ça serait difficile. Donc pendant ce temps qu'on continue à chercher un autre pronostic, entre temps que vous quand vous faites ceci, il faut patienter que ce match finisse pour prendre un autre match. Donc celui-ci que vous pouvez voir là actuellement, si c'est à la 45e minute et je ne peux pas dire ça, c'est la mi-temps en fait, le match n'a pas encore repris. Donc la famille, si on ne voit pas un match, bon ce match également, ce match-ci. Une fois que votre premier pari est entré, vous mettez la totalité de la somme ici dans ce pari. On peut voir ici là qu'ils sont déjà à la 20e minute 0-0. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons aller tout simplement dans les statistiques. Nous allons aller dans les statistiques ici là. Regardez, observez ma manière d'analyser ce match. Je vais partir dans tête à tête. Lorsque nous allons dans tête à tête, la famille, tête à tête. Ok, quand il prend tête à tête, je constate que là, ils ont trop fait leur maximum de buts
de confrontation est 4 buts. Donc la confrontation déjà abouti à 4 buts maximum. Donc ils ne font pas plus de 4 buts. Maintenant, si vous allez le match récent de chaque équipe, et prends pour l'équipe qui est à l'extérieur, hein, le nombre de buts marqués est de 3 buts maxi. Et l'autre équipe en question, je vais regarder également son match récent. Nombre de buts marqués est plutôt très faible pour cette équipe. Et non, elle est de 5. Pour voir que cette équipe a un signe en fond. Son équipe qui est devant lui, là, c'est un but. Donc, nous sommes à la première période ici, là, et nous avons remarqué que pour ces deux-ci, les matchs sont totalement souvent très durs. Donc, avant que ce match-ci ne finisse, pensez, j'actualise pour que vous puissiez voir. Ici, présentement, vous pouvez voir là que notre coupon a été accepté et ils sont déjà à la 92e minute. Donc, la famille, je vais accélérer la vidéo pour que ceci puisse vite entrer. Je vais accélérer la vidéo pour que ça puisse vite entrer et on reprend directement avec pour que vous puissiez voir et on reprend la totalité de cet argent que nous avons gagné. Donc, on va reprendre la totalité de cet argent pour mettre dans ce nouveau pari. Donc, je vais accélérer la vidéo, la famille. Donc, on patiente. Eh bien la famille, nous voilà revenus ici dans ce notre tutoriel, la famille. Vous pouvez voir là que notre mise a été belle et bien validée sur une cote de 1.19. On avait une mise de 5000 francs. On a eu à gagner déjà 5950 sur notre première montante. Donc la seule que nous devons faire après ceci, c'est de parier la totalité de 5950 sur un nouveau live. Parce que cette montante se trouve sur les lives. Vous pouvez voir que nous devons toujours prendre des cotes entre 1,30 et 1,40, 1,19 et 1,40, pas plus de 1,40, la famille. Le montant, c'est juste les cotes de 1,19 à 1,40, pas plus que ça. Pour tous ceux-là qui veulent se faire de l'argent, c'est la meilleure façon. On ne se fait pas de l'argent rapidement, mais moi-même, j'ai gagné de l'argent à pas, la famille. Donc, je suis en train d'essayer de jouer à votre niveau pour vous montrer que même avec votre niveau d'argent, vous pouvez gagner gros. Donc, actuellement, si j'ai déjà repéré un match, j'ai repéré un match que je vais vous montrer là et nous allons appliquer tout simplement la prochaine montante sur ça et je vais vous, lorsque nous allons appliquer, vous allez tout simplement constater que ça va entrer. Donc permettez que on repère ce match, la famille, permettez qu'on repère ce match. Donc c'est ce match en question. Ok, c'est ce match en question, la famille. Ce match est à la 89e minute, 3-0-0. Donc on peut voir là sur Total. On passe sur Total, c'est à 89e minute. On va te dire Total. Vous voyez, à 89e minute, la cote de Total est très moindre. Donc là, actuellement, si c'est, ça va être difficile. Donc, pour cela, on ne peut pas prendre cette cote de 1,13. Il est très faible. Donc, on va tout simplement sortir de ce match. On va regarder un autre match qui est favorable. Donc, la famille, patientez qu'on puisse regarder un truc mat. Mais la montante peut se jouer également sur les tennis. Pour tous ceux-là qui ont des connaissances sur le tennis ou autres domaines. Donc, vous pouvez voir ce match a démarré. Cet Avigo contre cette équipe-ci. Donc, ça vient à peine de démarrer. Et celui-ci n'a pas encore démarré. La mi-temps n'a pas encore commencé. Donc, on peut parier sur quelque chose là, mais je préfère pas attendre. Surtout là, si ça fait ici, c'est de parier toujours sur les matchs qui sont déjà en cours. On va voir ce match qui a 0-0 toujours à la 28e minute. Et nous allons venir sur la première mi-temps. Et sur la première mi-temps, nous allons tout simplement dire que on va probablement jouer la victoire d'une équipe ou un match nul. Mais avant cela, ici la famille, on a déjà eu à analyser ce match ensemble. Donc en disant, c'est l'astuce même ici en fait à prendre ici, c'est quoi? On va regarder
On va regarder ce premier mi-temps. On va regarder là la famille. Ok, je pense que on a trouvé cette astuce de ce qu'on pourra jouer ici, parce que la cote est quand même très moindre, mais bon, ce match n'est pas mal. Bon, on a dit que la cote doit se jouer entre 1,19 et 1,19 et 1,40 de la famille. Donc il est question ici de jouer une cote favorable pour nous. Avant tout, si on peut se permettre de voir les statistiques, et il n'y a encore aucun tic cadré. Donc on va jouer ici la double chance, la famille, la double chance de cette équipe-ci. 1x, on va jouer ça à 1x, la famille. On va mettre la totalité de notre mise, 5950. Donc on va mettre les 5950 pour avoir un profit de 7000, la famille. J'ai dit que l'astuce ici, c'est question d'arriver à 50 000 avant 23h. Il est à 18h. Donc je mets la totalité de nos gains du premier coupon. On patiente la famille, on patiente. J'espère que c'est sur la première mi-temps. Ok, donc on peut voir là que ça a été accepté, la famille. Donc voici ça ici. Donc permettez-moi que j'actualise la famille. Ok, voici le coupon ici. Donc on va juste attendre nos 7000 francs dans 15 minutes. Donc pour cela, je vais couper la vidéo et on se revoit quand le match est fini, pour que nous ne puissions pas perdre de l'argent et économiser en méga, la famille. Donc je vous donne rendez-vous dans 15 minutes, la famille. Eh bien la famille, comme vous pouvez voir, notre cote de 1,19 a été encaissée. Donc à partir d'un montant de 5000 francs, nous sommes déjà à 7000 francs, la famille. Donc c'est très intéressant de faire des montantes pour gagner de l'argent. Donc observe tout simplement, nous allons tout simplement aller chercher une autre montante sur laquelle nous devons parier, la famille. On pourrait voir ce match hier à la 43e minute et ils ont déjà mis 2-0. Donc si on regarde là, il n'y a plus assez de temps et on nous permet plus de prendre un pari sur ça. Donc même la victoire de Inter est garantie. Donc la famille, patientez, je regarde. On regarde également une autre montante sur laquelle on va placer notre pari dessus, la famille. Donc observez tout simplement, regardez ce match à la 84e minute, c'est 2-2. Ils sont à 2-2 ce score, la famille. 2-2, 84e minute. Donc ici à ce niveau, si on passe sur total, on voit dire total plus de 4, moins de 4,5, c'est à côté 1,200. Donc s'il marque un but, on voit un match nul à côté à 1,22. Donc c'est similaire, ce sont même déjà les 1,22. Donc on va prendre ici tout simplement le match nul. On va jouer le match nul, on va mettre la totalité de notre mise. Donc 7092, la famille. On aura un montant de 8000 encore. Mais il ne faut pas simplifier les montants, la famille. Surtout ne simplifier aucun montant. Ici, c'est l'objectif, n'est pas de faire des gros gains en une seconde. Là, c'est de faire des montants de la famille. Donc, observez attentivement. Vous voyez, la côte vient de chuter là devant nos yeux. La côte vient de chuter. Patientez, si ça prend encore là, on est gagnant. Mais si ça perd, ok, ça a été accepté. Ça a été accepté. La mise a été acceptée. La famille. Donc, on va revenir là-dessus. Donc patientez la famille. C'est sur la famille. Donc comme vous pouvez voir ici actuellement, si notre pari a été accepté, et nous allons encaisser 8000 francs. Donc nous allons quitter les 7000 francs à 8000 francs, la famille. Donc je vous dis rendez-vous dans quelques secondes et dans quelques minutes, le temps que ce match finit. Nous sommes à 18h44 et nous sommes déjà presque à 8000 francs. Je vous dis 50 000 francs en une journée pour faire la montante, et je suis en train de vous montrer le processus. Donc je vous dis tout à l'heure. Et bien la famille, comme vous pouvez voir encore ici, ça a été validé, la famille. Donc nous sommes quittés de 5000 francs et nous sommes actuellement à 8000 francs, la famille. Donc je vous dis encore, et
je rappelle encore aussi que j'ai commencé à 5000 francs pour vous présenter comment gagner et faire une montante de 50000 francs à la famille. Vous voyez là, ça a été validé et ça a encore été validé, ça a été validé, ça a été validé la famille. Donc notre montante a encore été validée. On peut constater que nos trois montantes depuis le début ont été validées et nous sommes à 19h la famille. Et vous allez voir que on se fait beaucoup d'argent à partir des montants de la famille. Donc le match est fini à 2-2. Donc pour ce tutoriel, je vais tout simplement passer à une seconde montante. Si nous pouvons voir cette montante, et nous allons dans live. Nous voyons que ce match est à la 53e minute et le score est à 2-0. Donc si on part en total plus de buts, on va constater là, je vais la probabilité qu'un but entre encore également ici à côté à 2,5 et je vous donne la probabilité qu'il y aura encore un but dans ce match d'après les statistiques. La famille, vous êtes déjà montré comment faire la statistique. Vous faites les statistiques, vous allez être dans tout simplement ici à ce niveau, partez dans tête à tête ici pour voir leurs différentes confrontations entre eux. Donc la famille actuellement après 2-0 à la mi-temps, à la première mi-temps, et maintenant nous sommes à la deuxième mi-temps, aucun but. Les chances pour qu'il y ait un but encore sont très élevées. Donc on va tout simplement prendre un total plus de 2,5. Donc lorsqu'ils vont mettre 2,5, on va encaisser encore sinon c'est pareil. Nous étions nous avons gagné actuellement aussi 8,396. Donc il est question que nous mettons la totalité du montant sur ce coupon. Donc nous allons mettre tout simplement 8,396 sur ce coupon et nous allons atteindre 10,000 francs. Donc en place pari la famille, c'est pari est très sûr, je vous garantis ça évidemment. Donc avec cette stratégie, les montantes sont garanties. La famille dit quitter de 0 à 50,000 francs. Donc vous allez constater tout simplement à ce niveau, lorsque j'actualise, permettez que j'actualise, on puisse voir la montante. Donc vous voyez là, c'est à la 54e minute de la famille. Donc on va tout simplement patienter pour avoir des meilleurs résultats. Donc je vous dis ciao, on se revoit tout à l'heure pour les scores à la famille. Donc on se prend tout à l'heure pour les scores, on dit tout à l'heure alors. Et bien la famille, comme vous pouvez voir ici à présentement, nous avons encore gagné cette montante la famille, ça a été validé la famille, c'est super. La famille, vous allez constater là que nous avons fait des montantes et ça a été validé. Là c'est la stratégie ultime que je suis en train de vous donner pour comment faire des montantes, parce que la société ici était de quitter de 5000 francs comme nous avons commencé au départ et arriver à 50,000 francs en une journée. Et comme vous pouvez voir l'heure actuellement, nous sommes à 20h19. Là c'est une stratégie qui marche à coup sûr la famille. Nous avons commencé ici avec 5000 francs et nous trouvons déjà à plus de 10,000 de poussière avec la stratégie de montante. Actuellement nous allons tout simplement chercher autre match en live la famille. Donc permettez que je regarde s'il y a des bons matchs actuellement qui sont en live pour que nous puissions continuer notre montante la famille. On peut voir ce match de la Naples qui a la 74e minute et le score est de 1-3 et on peut voir que le Napoli mène déjà de 3 buts la famille et son dit total plus de 4,5, la cote à 1,7, c'est une probabilité qui n'est pas vraiment très sûre et je vous déconseille de jouer ça. On peut voir le match de United que cette équipe mène déjà et la victoire de United sur cette équipe devient un peu difficile la famille. Donc sympa, cette équipe également n'est pas favorable. Le match de Civil AS Monaco, compte tenu du temps la famille, quand je dis bien compte du tenu du temps et pour tous, pour votre connexion internet, le but ici était de vous montrer la stratégie également. Si actuellement si nous pouvions plus voir des bons matchs actuellement, si je vais vous dire tout simplement que je vous donne rendez-vous dans un autre tutoriel et j'espère que ça vous aura plu. Pour tous ceux qui veulent avoir la montante, suivre nos montantes en live, intégrez ce canal Telegram et surtout n'oubliez pas de liker ce tutoriel pour me montrer que ça vous a vraiment plu cette astuce pour que je vous produise désormais des coupons
en montant de la famille. Je vous dis ciao et surtout pour tous ceux-là qui ont Bedwinner, n'hésitez pas à vous inscrire avec ce code promo car c'est le meilleur code promo chez Bedwinner actuellement pour tous ceux-là qui veulent des bonus, des gros bonus, tout comme chez OneSpot. Ici c'est Bedwinner, c'est très simple, une inscription complète et choisir comme type de bonus de 130 000. Donc je vous dis ciao la famille, à la prochaine.